si je ne me qualifie pas, je prends une petite pause. Et je me remets en question et je regarde ce qui n'a pas été. Je repars sur des bases nouvelles et comme une championne, quoi. J'ai loupé la qualification à une seconde près. À ce moment-là, au championnat de France, je ne l'ai pas très bien vécu parce que forcément, tu touches la plaque, tu as quelqu'un qui est qualifié à côté de toi. Toi, tu n'es pas qualifié. Et j'avais vraiment envie de pleurer, vraiment. Mais je me suis accrochée jusqu'au bout, jusqu'au podium. Et puis après, quand j'ai pu repartir chez moi, c'est là que j'ai un peu lâché les émotions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est une question compliqué. Ça a commencé très tôt dans la saison en fait. Après les championnats de Amiens, je suis tombée malade, j'ai eu la grippe pendant 3 semaines, 1 mois. Et j'ai mis au moins 2 mois à m'en remettre. Après pour retravailler derrière, c'était compliqué. Pour préparer une qualification olympique, faut vraiment pas avoir de pépins en fait. Et quand on n'a pas de marge comme moi, je peux pas me permettre d'attraper toutes sortes de maladies. Mais la Casden, ils ont été super présents. J'ai reçu des messages d'à peu près tout le monde et beaucoup d'amour. Et ça m'a mis du baume au cœur, même si à ce moment-là, j'étais pas trop dans l'affectif. J'étais plus en colère contre moi et contre mes entraînements. Enfin, je cherchais un peu partout où est-ce que ça n'avait pas été. Et heureusement, j'étais bien entourée et je les remercierai jamais assez. J'ai suivi les autres athlètes de la Casden, bien sûr. Toutes les médailles qu'ils ont faites, c'est exceptionnel. Je suis tellement contente pour eux. Je me sens tellement soutenue et aussi inconsciemment dans le devoir de ramener cette médaille à Paris plus qu'ailleurs. Parce que je ne voulais pas décevoir les personnes qui étaient là, tout le public qui a acclamé mon nom. On se sent dans le devoir de faire quelque chose quand même. Je marche dans la rue, il y a des gens qui me reconnaissent. Ça fait bizarre. Les gens me remercient. Ce n'est pas juste ils me disent bravo, ils me disent merci pour ce que tu nous as donné. Et je me dis wow, qu'est-ce que j'ai fait en fait. En fait, je ne revivrai jamais un truc comme ça, tu vois. Les Jeux Olympiques, objectivement, c'est très probable que j'en fasse, tu vois. Mais un truc comme ça, je ne le referai jamais de ma vie, c'est ça qui est fou. Mais alors là, c'était incroyable au Stade de France, j'ai jamais vu ça et je pense que je vivrai plus jamais ça parce que j'ai l'impression que tout le monde ici de ma famille. C'est incroyable de vivre ça, vraiment, c'est une fois dans sa vie. Je suis pas arrivée du coup au Grand Palais le jour de mon épreuve, j'étais venue voir du coup 2 jours avant mon mari et Maxime. Je me souviens, Maxime c'est le premier Français à rentrer sur la piste et le public crie. Je me suis arrêtée net, j'ai fait « Oula !» Genre j'ai une énorme montée d'émotion, je me suis dit wow, « Waouh, c'est puissant !» C'était vraiment extraordinaire. Moi je découvrais ça, l'ambiance olympique de 1, l'ambiance dans le Grand Palais en France de 2, encouragée par les supporters français de 3. Maintenant je suis passé à côté, j'étais pas prêt en fait à ça. J'étais subjugué quoi par l'effervescence, la ferveur du public. C'est pour ça que ça fait mal de perdre dans ces cas-là. Ça fait mal, mais c'est quand même un des plus beaux jours de ma vie quoi, et de carrière encore plus. Je rentre sur la piste, je profite du public, et après une fois que j'étais sur la piste et que j'avais salué tout le monde, je me mettais un peu dans le mur, je faisais ma petite routine pour me concentrer. Puis après, je partais avec les matchs et le public criait fort. Limite, on sentait le plateau trembler à des moments. Mais on a eu la chance, nous, Paralympiques, de voir, d'observer, d'analyser les Jeux Olympiques juste avant et d'avoir des retours d'athlètes qui nous ont dit voilà, ça, c'est très perturbant dans le Stade de France, ça résonne beaucoup, il y a beaucoup d'ambiance. Donc faites attention que ça ne vous desserve pas. Et donc, on a vraiment mis l'accent là-dessus en préparation mentale avec mon entraîneur aussi. Et je pense qu'on a réussi, même si au dernier saut, quand on annonce juste avant le dernier saut, je suis forcément médaillée de bronze au minimum. Là, c'est la première fois où, juste avant un saut, je pleure. Ça faisait plaisir de voir les autres performer, mais c'était aussi compliqué pour moi de me protéger et essayer de faire abstraction. Sarah qui avance sur Manon Appetit-Brunet et qui touche seul et qui devient championne olympique. Je m'étais toujours dit, ah, si un jour je gagne, j'aimerais bien lui sauter dans les bras. Bon, il se met à genoux, donc je ne peux pas lui sauter dessus, mais je lui tombe plutôt dessus. Ça me tenait à cœur parce que pour moi, cette médaille, je ne l'ai pas gagnée toute seule. Et mon mari, ça fait 10 ans qu'on s'entraîne ensemble. C'est pour ça aussi que je m'effondre sur lui, que je pleure et que je suis tellement heureuse qu'il soit là parce que bah, j'ai tout fait avec lui, donc forcément, la victoire, c'est avec lui. Je crois que quand je suis sortie du bac à sable, en réalisant très spontanément que j'étais médaillée de bronze, un soulagement immense. J'ai réussi ce que je rêvais d'atteindre. Ma première pensée, elle a été directement pour ma fille. D'ailleurs, je suis allée la voir très rapidement dans les tribunes, parce que cette médaille, c'est la sienne. Je lui avais toujours dit et je lui avais promis depuis qu'elle est née que je reviendrai avec une médaille des Jeux Paralympiques pour elle. Ce serait ma première et ça serait vraiment pour elle, elle la mérite.
On y va pour l'épreuve par équipe. Le soir, on rentre à la chambre, on jette nos valises, nos housses, et on se regarde dans les yeux et on se dit, bah, on n'a pas de médaille. Justement, on s'est servi de ce qu'on avait appris, en fait, et découvert sur l'individuel pour en profiter, pour remporter la médaille de bronze. Quand je suis sorti de mon relais, je sentais que ça sentait bon quand même. On était bien devant, coéquipier rentre, le dernier, Seb. On va rester concentré jusqu'au bout. Mais quelle attaque il met Sébastien là aujourd'hui. On est à 15 touches, la fin du match, je commence un peu à pleurer quoi. Je me dis bon, c'est pas fini, pleure pas. Et là je sais qu'il va le faire. Je sais que le match est fini, en réalité il lui reste quoi, 3, 4 touches à mettre. On est à une touche d'être médaillé de bronze. Et en fait, dès que je vois que c'est fini, bah, je pleure et j'ai qu'une envie, c'est tout dans les bras de mon mari. Je vois Maxime aussi qui pleure. C'était un chouette moment, ils l'ont partagé ensemble, ils ont travaillé ensemble et pas grand monde croyait en eux, donc je suis contente qu'ils aient réussi. Je pense qu'aujourd'hui, le bilan de la Casen est quand même très bon. Hein. 3 athlètes aux Jeux Olympiques et Paralympiques, 3 médaillés. Quand je les ai croisés, je leur ai dit « vous avez fait quand même un bon casting apparemment ». Et aussi, il n'y a pas de hasard. Vous nous avez soutenus, vous avez toujours été très proche de nous, dans la proximité vraiment des athlètes, de leur bien-être, à être soucieux de savoir si on avait toutes les bonnes conditions. Oh. Je crois que tu as vu ma maman. Oui. Elle te remercie pour ta gentillesse et ta disponibilité et le fait que ce soit aussi accessible. Bah non, mais c'est un plaisir. Non, mais c'est vraiment. C'est un bonheur. Moi, ça m'a rassuré de les savoir en sécurité, bien. Ils étaient heureux. Bon, bah super. Donc, merci. C'est vraiment incroyable. Je me sens vraiment bien ici. Je reconnais des gens qui se rapprochent un petit peu à ma famille de la Casden. Un partenaire comme la Casden, ça aide à une échelle démesurée. On se sent vraiment tiré vers le haut. En plus, on est en plutôt petit comité, juste quatre. On a vraiment cette sensation de famille et de groupe soudé. Sans eux, on n'en serait pas là. Je pense que mes camarades seront d'accord. Pour moi, il n'y a rien à toucher, quoi. Le partenariat, il est fantastique. C'est vrai, en plus. Ma fille qui m'a rejetée quand j'ai prise dans les bras aussi, parce que je pleurais de joie, elle était là. Je pense à Los Angeles, j'ai envie de retrouver ce frisson, j'ai envie de prendre aussi ma revanche avec mes coéquipières. On peut pas rester sur cette médaille de bronze, j'aimerais soit réitérer l'exploit, soit faire mieux. Quand on prépare Paris, je pense qu'on prépare aussi un peu Los Angeles. Chaque jeu est travaillé énormément en amont, bien sûr les 4 prochaines années seront cruciales. Maintenant ça reste un objectif aujourd'hui qui est très loin, ça passe par plusieurs étapes, les Coupes du Monde, les Championnats d'Europe du Monde qui auront entre temps. On pourra en parler un peu plus dans quelques années. On va aller chercher cette qualif, puis on va briller là-bas. Merci encore beaucoup, bravo à tous les 4.